Bonjour, alors je vous retrouve pour la vidéo annuelle qui est celle de la glossie, mais en plus ce mois-ci ça sera deux glossies puisque j'ai commandé la box essentielle. Alors je sais déjà ce qu'il y a dedans, j'en suis plus ou moins satisfaite, j'ai bien dit plus ou moins. Je sais pas si la deuxième édition j'apprendrai, franchement je sais pas. Alors je sais plus ou moins, mais je sais pas exactement ce qu'il y a dans la mienne. Donc on va commencer par celle-là, hein, les essentiels, donc c'est dans un pochon qui est quand même de belle taille. Donc pour ranger les trucs, franchement, il est vraiment pas mal. Alors, en premier, on a... D'accord. je vois qu'ils ont vachement regardé les profils des filles, parce que je ne suis pas la seule qui est dans ce cas-là. Ils ont envoyé une couleur. Mais si vous pouvez lire ce qui est marqué sur le côté, prune. Je suis châtain. Il m'aurait envoyé à la rigueur chocolat, mocha, ouais. Même au burn à la rigueur. Prune, prune, j'essaye de m'en sortir de toutes ces couleurs que j'avais faites. Enfin, j'avais fait plein de couleurs de ce style. J'avais fait prune, j'avais fait rouge, j'avais fait noir bleuté, noir violine. Enfin voilà, j'avais fait plein de couleurs comme ça et j'essaye d'en sortir. Et là, ils me remettent du prune. Ah, si quelqu'un est intéressé, je vous la revends sans problème. Je sais pas, je vous la fais, je n'en sais rien, moi. 5 euros les frais de port compris, quoi. Allez, histoire que j'y perde pas non plus trop, mais ça, je la revends, hein, si quelqu'un est vraiment intéressé. Ou alors, vous me faites une offre, hein, voilà, on verra. On a un bon de réduction immédiate, en sachant que je les oublie à chaque fois, mais ça, ils y sont pour rien. Alors ça, par contre, ça m'intéresse beaucoup plus. Si, ça m'intéresse, mais je commence à être un peu garnie sur ce genre de produit. C'est un beurre, quoi. Garnier Body intensif 7 jours. Voilà. Enfin, si, ça m'intéresse. Au beurre de karité, peau extra sèche et abîmée. Ça peut être pas mal. Je sais pas si. L'odeur, ils sont pas mauvais. Ils sont. Ouais, ils sont relativement bons. Je vous montre. Hein. Enfin, je ne sais pas si vous voyez grand-chose. C'est juste que j'en ai. Alors, vous allez voir la vidéo dont je vais vous parler là. Après, puisque. Enfin, dans les vidéos qui viendront. Puisque je vais mettre la glossie en premier, puisque j'essaye toujours de les poster dans les temps, vous savez, par rapport à quand j'ai reçu. Dans la vidéo qui va suivre, que vous aurez par la suite. C'est sur une commande que j'ai faite The Body Shop. Vous allez voir pourquoi je suis un peu garnie. Voilà. Alors, du coup, elle va être un peu plus longue que les autres, que d'habitude, puisque là, j'ai les deux box en même temps. Ça va me permettre d'essayer, mais par contre, je suis super sceptique. Alors, c'est mon savon, 100% essentiel. Alors, sans phénoxyéthanol, sans parabène, colorant et phtalate. Par contre, il sent, sans déconner, attendez. Pardon. Il sent le Tigy. C'est exactement la même odeur que le Tigy. Exactement. Alors, ce qui me fait peur, c'est que je fais des allergies à ce savon, normalement. Mon savon, je ne les supporte pas. Alors, comme ça, c'est là, sans ceci, sans cela et tout ça, peut-être que je n'y ferai pas allergie. Mais normalement, je suis allergique à mon savon. Donc, ça, je suis plus embêtée. Bon, au pire, je peux toujours le fier. J'en ai plein le nez. Fier à mon homme. Ah, c'est le fameux antibactérien Titeuf. Ouais. Et c'est celui-là qui est janvier 2013, l'expiration. J'avais vu une vidéo d'une qui le disait, je ne sais plus sur quelle. Et ça, par contre, c'est super mignon. C'est complètement. C'est gadget, hein. C'est vraiment gadget. Mais moi, tout ce qui est gadget, de toute façon, j'adore. Donc, c'est Fille des îles. Voilà. Je vais vous l'ouvrir. Parce que là, avec le plastique, en plus, vous ne verrez pas grand-chose. Juste petite, pendant que j'ouvre, hein, comme ça couvre un peu le bruit du plastique. Juste petite chose, c'est que Glossy, il faudrait peut-être qu'il change de livreur parce que là, ça commence à me saouler. Ça fait plusieurs fois que ça me le fait.
Donc les essentiels, il y en a plusieurs déjà qui l'avaient reçu. Moi, j'avais toujours pas reçu. J'ai reçu donc aujourd'hui. On est le 28. J'ai été voir sur le site depuis le 29. Ils avaient marqué que c'était livré déjà. Faut arrêter de se foutre de la gueule du monde. Et bien sûr, ils disent ça n'a pas dépassé les 4 jours. Alors que hier, on était le 20. Si aujourd'hui on est 28, hier on était le 27. Vous n'avez pas dépassé les 4 jours, vous ne pouvez pas faire réclamation. Bien sûr, foutez-vous bien de notre gueule. Il commence à me saouler. Alors, chaque fois, je mets un rendez-vous. Et comme par hasard, je reçois le lendemain. Voilà. Et puis, la glossy du mois de novembre, on la reçoit fin novembre. Alors, déjà, ça, c'est un peu. Mais, comme par hasard, celle qui a été envoyée 7 jours plus tard, je la reçois le même jour. Quoi. Je pense qu'il n'avait pas envie de faire de double trajet, mais bon. La bouteille est super sympa. Je ne sais pas encore ce que ça sent, mais je trouve qu'elle est joliment décorée. Ça sent bon. Enfin, ça sent bizarre. Ça sent pas mauvais, mais ça sent bizarre. Ouais. Mais bon, à glisser dans le sac à la rigueur, ça peut être pas mal. Bon, par contre, vous avez vu la taille de l'emballage. Ça, c'est quelque chose qui revient aussi, mais la taille de l'emballage et la taille de la bouteille. Voilà. Et on va passer. Et il me manque un produit. Et il me manque un produit. Ah, ça, c'est pas mal. Normalement, j'aurais dû avoir 1, 2, 3, 4, 5. Ah non, peut-être que c'est bon, je sais pas. Non, normalement, on avait 6 produits sur la carte. 6 produits. Il me manque le dentifrice. Voilà. Alors, comme je sais qu'ils vont demander la photo et tout ça comme preuve, le dentifrice, j'en profiterai pas dessus. Hein. J'aurai le bon de réduction, mais bon. Très mitigé sur celle-là. Je dis pas que les produits sont mauvais. Je suis quand même assez mitigé. Bon, certes, on n'a pas vraiment pas payé cher celle-là. Vraiment pas. On n'a payé que 8 euros. Mais franchement, si c'est pour avoir vraiment que des produits de grande surface, je préfère peut-être garder mes 8 euros et m'acheter un ou deux bons produits. Voilà. Allez, on passe à la glossy classique. Oh, ils nous ont fait ça joliment. Je ne sais pas si vous voyez. Ouais, je vais enlever ça. Au moins déjà, vous verrez mieux. Bon, hormis que le nœud s'est cassé la gueule, mais bon. Alors, c'est la wishlist. Bon, j'arrête, hein, je regarde. Partagez à joie, faites-nous envoyer. Attendez. Partagez la joie et nous ajouterons un produit full size à votre prochaine Glossy Box. Invitez à rejoindre la communauté. Recevez un full size dans votre coffret de janvier pour vos parrainages réussis. Oui, d'accord. Une opportuniste en or de recevoir le cadeau idéal pour Noël, pour soi-même, ou être cher, 5 produits, make-up full size. Oui, mais ça, j'ai commandé déjà. Ça, j'ai commandé. D'ailleurs, on verra bien. Alors, le petit nœud, cette fois, est rouge. Vous le voyez, fuchsia, mais est plutôt rouge. Et je me bats avec le petit papier. Alors, par quoi on va commencer? Ben lui. Alors, on a un lipstick, c'est ça? De pur. La couleur me fait un peu peur. Donc, c'est la teinte 3 et c'est la teinte plume sparkle. Enfin, attendez, on va voir la couleur, hein. Alors, pur, sur une des ventes privées que je suis, ça y est souvent. Le packaging, on dirait un peu celui de la vis palette.
Donc il est comme ça. Vous voyez? Là, ouais. Vous voyez? En tout cas, là, il est joli. Il a viré. Je sais pas si vous voyez l'état du rouge. Ah non, mais là, c'est... Oh putain, là, je suis dégoûtée. Oui, ben là, oui, je vais en renvoyer quand même. Putain, je suis dégoûtée. Et il pue en plus. Hein. Non, mais là, je vais, ouais, je vais prendre en photo et puis je vais envoyer un mail. Hein. Je suis dégoûtée. En plus, là, putain, ça fait plusieurs fois que je me dis, ouais, je les essaierai bien et tout. Et là, je suis dégoûtée, quoi, de voir l'état du rouge. Il a complètement viré. Il n'y a pas une date de péremption, là. Parce que c'est à se demander depuis quand il date, celui-là, franchement. Bon. Je suis contente. Alors, après, on a un après-shampoing léger, hydratant et ultra brillant. Féqué, je pense. Ah, c'est ça. Bien sûr, vous pouvez rien voir là parce que c'est écrit là peut-être. J'ai bloqué sur le rouge à lèvres, c'est moi qui vous le dis. Mais c'est un peu le citron, on dirait. Je sais pas quoi il est, mais c'est un peu citron. Bon, j'essaye de pas trop tarder parce qu'on est déjà. Alors, on a Astalift, crème de jour nourrissante. Bon, je ne vais pas l'ouvrir parce que Fujifilm. D'accord. Donc c'est une petite crème comme ça. Et moi qui me plaignais pas de glossy ces derniers temps, ça devait leur manquer, c'est pas possible. Alors, là il y a un truc, mais c'est pas ça que j'ai eu. D'accord. J'ai eu Institut Carité. Ah si, c'est ça. D'accord. Lait pour le corps extra doux. Allez, encore un truc pour le corps. Mais bon, celui-là, vu la taille, hein, il sera facile à tester. Voilà, c'est comme ça. Ça ressemble à l'Occitane, je crois que c'est. Jamais essayé hein, l'Occitane, mais ça ressemble un peu au même packaging. Voilà. À essayer. Et le dernier produit, après, c'est des goodies. C'est de Flora Botica. Flora Botanica. C'est ça. Et c'est quoi ça? C'est un parfum apparemment. Ah oui, d'accord. C'est ça. Ils ont peur qu'on pue. Non, les parfums, je ne vais pas me plaindre. Ah, ils sont super bons. Enfin, moi j'aime bien. Ils sont super bons, celui-là. Ouais. Je sais pas à quoi il est, mais ils sont super bons. Bien sûr, il y a l'alcool, hein, ça. Ouais, puis alors moi, les noms. Échantillon gratuit. Il recommence. Alors, après, en goodies. Donc, c'était le dernier produit. En goodies, on a eu des petites étiquettes. Pour Noël, je pense, enfin, pour préparer, pour mettre sur les bocaux, enfin j'en sais rien, des petites étiquettes. Et ça c'est quoi? Qu'est-ce que c'est? Ah d'accord. Bon par contre là il n'y a pas le, il n'y a pas le truc. La poche protectrice. Et là il y a, je vais vous le sortir parce que dans le plastique vous verrez pas ce que c'est. Les fameuses petites pas s'il marche normalement avec mes ongles. Ah si. Oh putain, mais c'est génial ce chat. Oh putain, c'est génial ce chat. Voyez, regardez comment ça augmente, qui fait vous savez, ça tient chaud. Ça c'est génial. Par contre ça c'est un goodies, mais c'est génial.
Ça m'éclate. Ça m'éclate. Ça, je connaissais. Enfin, j'avais vu des filles qui avaient eu des trucs comme ça. Dans la Little, je crois. Putain, mais ouais, mais moi qui ai les mains froides là. Voilà. Ça me plaît bien, ça. Alors, bilan sur les deux, pour essayer de conclure assez rapidement tout de même. Bon, les essentiels, bah, c'est vraiment des essentiels, c'est vraiment le cas de le dire, hein. Voilà, c'est les trucs de grande surface. La deuxième, elle est pas mal en soi, elle est pas très mal, hein. Il y a une crème pour le corps, il y a une crème pour le visage, il y a un après-shampoing, un parfum, des petits goodies. Mais ce pour lequel je suis plus dégoûtée, c'est ça. Bon, ça, je pense pas qu'ils les ouvrent, donc ils peuvent pas savoir. Mais là, je suis super dégoûtée, quoi. Franchement, les tas du rouge à lèvres, c'est impressionnant. De toute façon, dans leur mail, je vais leur dire, je vais leur donner le nom de la vidéo, je vais leur dire que j'ai fait une vidéo, s'ils veulent voir ma réaction en image plutôt qu'en photo, qu'ils ne se gênent pas, hein, qu'ils regardent. Hein. Franchement, qu'ils ne se gênent pas. Là, ouais, je suis super dégoûtée, quoi. Mais vraiment super dégoûtée. Voilà. Bon, le reste, bah, du coup, je vais leur dire aussi qu'il me manquait le dentifrice, hein, puisque je ne l'ai pas eu non plus. Voilà. Donc, j'ai reçu les deux en même temps et j'ai pas eu le dentifrice. Donc, voilà. Dommage, parce que je me disais que celle du mois de novembre serait bien. Bon, j'espère que celle du mois de décembre sera plus que bien. Et que, bien sûr, la spéciale make-up sera magnifique, quoi. J'espère qu'ils vont se rattraper là-dessus. Mais, bah, de toute façon, je vous tiendrai au courant de leur réponse éventuelle, de ce qu'ils auront pu en dire. J'espère franchement qu'ils vont faire quelque chose, au moins pour le dentifrice. Franchement, je m'en fous, quoi. Enfin, ça m'emmerde d'avoir un produit en moins. Mais je m'en fous, quoi. C'est pas, je cours pas après un dentifrice. J'en ai encore 6 qui m'attendent. Voilà. Mais lui, par contre, ça m'emmerde beaucoup plus, quoi. Un rouge à lèvres, voilà. J'étais contente d'avoir cette marque-là pour enfin la tester. Et. Putain, non, mais il a moisi. Il a moisi le truc. Je sais pas ce qui s'est passé, mais il pue, il a moisi. Il m'envoie une étiquette, je leur fais un retour et qu'il voit, qu'il le sente et qu'il regarde, quoi. C'est impressionnant, quoi. Voilà. Bon, allez, je vous laisse. Je vous fais de gros bisous. Je vous dis à bientôt. Allez, au revoir.